Cécile et ses petites mains font de très jolis bijoux. En tout cas, j'adore, Cécile, tes petits bracelets, ils sont magnifiques. Merci beaucoup, Rachel. Donc, je les avais vus sur Instagram, c'est pour ça que je suis venue te voir. Donc là, on a tout ce que tu fais. Tout ce que je fais, exactement, voilà. Il y a des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, exactement. Des sautoirs. Des sautoirs et des petits colliers. Donc tout pour nous faire plaisir à nous, les femmes. En tout cas, ça fait très... ethnique, aztèque, je dirais même. En fait, l'inspiration vient du dessin animé de mon enfance, les Mystérieuses Cités d'Or. D'accord, c'est pour voilà, ça. Voilà, ceci explique cela. Voilà, d'où le nom de la collection Zia. Et voilà le sautoir. Oui, exactement. Donc le sautoir, toujours tissé à la main. Et le petit plus, en fait, ce sont les petites perles de Swarovski noires qu'on peut retrouver. Ah d'accord. En fait, sur chaque sautoir, voilà, on peut retrouver une petite rangée de perles de Swarovski. Je ne savais pas que Swarovski faisait des perles. Eh bien, moi non plus, je l'ai découvert en cherchant. En cherchant, du toujours, coup. Voilà. Donc exactement. Tu fais un peu de tout au niveau couleur. Voilà, plaqué or. Ah, c'est plaqué, du plaqué or. Oui, plaqué or 3 microns et plaqué argent 10 microns. D'accord. Avec aussi un petit peu de laiton doré à leur fin 24 carats et plaqué argent 5 microns. En tout cas, moi, je pense que je mettrais au moins 3 jours pour faire un petit collier comme ça. Alors, je sais pas comment Cécile fait. Donc là, Cécile, c'est ton petit atelier. Exactement. À domicile. À domicile, voilà. Et depuis combien de temps Alors, ça va bientôt faire 3 ans que j'ai commencé à tisser. Je suis complètement autodidacte, en fait. Mais ça t'est venu comment, cette idée? Un jour, je me suis dit, j'ai envie de tenter de faire des bracelets. Ah ouais, ouais. Et du coup, pour marquer le coup, mon mari m'a offert un métier à tisser à la Saint-Valentin. Bah voilà, un cadeau utile, messieurs. Vous voyez, il faut toujours écouter sa femme. Voilà, exactement. Et voilà. Et 3 ans après, j'ai mon entreprise. Là, tu nous fais des boucles d'oreilles. Exactement. Donc, en fait, je viens tisser une première rangée de perles sur l'estampe. Mm-hmm. Ensuite, sur ces perles-là, je vais venir rajouter ces petites perles-là. D'accord. Une fois que tout sera tissé, je vais venir du coup coller en fait mon cabochon Swarovski sur la boucle, et ensuite je viendrai y mettre les petits clous d'oreilles. Et donc voilà. L'inspiration te vient, voilà, tu pars de ça et tu te dis je vais mettre des perles. Exactement. Ici. Tu ne te l'es pas dessiné au préalable? Non, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'esquisse. C'est vraiment tout ce que je vois ou je visualise sur Internet, sur la télé. En fonction de ce que voilà, tu as. Exactement. Voilà, ça ferait de jolies boucles d'oreilles. Tout à fait. Et donc, tu as aussi un logiciel pour les bracelets. Exactement. Oui. Où là, par contre, je dessine avant là, par contre, tu dessines. Voilà, exactement. Bon, alors, Cécile, comment on pourrait résumer Little Hands? Eh bien, Little Hands, c'est du tissé à la main, du chic, de l'ethnique et de l'intemporel. Et c'est magnifique. Merci beaucoup.